Main dans la main pour une Afrique meilleure. Le 6e Forum international Afrique Développement, le FIAD 2019, est une plateforme de référence en faveur du dialogue, de la promotion des investissements et du commerce intra-africain. Il prévoit ainsi de réunir et mettre en relation 2000 opérateurs économiques de 34 pays africains. Avec pour objectif de stimuler le commerce en Afrique, mais aussi d'accroître la part de l'Afrique dans le commerce mondial, l'Union africaine a créé le projet de la ZELCA, Zone économique de libre-échange africaine, en 2012. L'Afrique est connue par son potentiel, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons créer un environnement propice au libre-échange de biens, de services, de capitaux et de personnes afin de garantir la prospérité économique de l'Afrique. Ce forum sert à créer le fondement d'un marché continental concurrentiel offrant aux investisseurs des marchés plus vastes. Au cœur de ces réformes, les femmes et les jeunes jouent un rôle clé dans l'entrepreneuriat, source d'espoir, d'innovation et de richesses considérables. Ma présence ici, c'est pour pouvoir signer le partenariat justement avec Atigari Wafa Bank et ses partenaires pour qu'ensemble on puisse développer l'entrepreneuriat féminin et aider les femmes à avoir une autonomisation financière, managériale avec leur entreprise. Donc l'accord que nous allons signer cet après-midi nous permettra justement de pouvoir accompagner les femmes entrepreneurs dans nos pays. Demeurant un espoir pour la croissance mondiale, l'Afrique avec 29 millions de jeunes qui entreront sur le marché du travail d'ici 2030, devrait dès 2034 compter la première population active mondiale avec 1,1 milliard de personnes.